Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon 25e épisode de podcast. Et cette partie, cette seconde partie sera consacrée au filage, puisque, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo tricot, la vidéo était déjà suffisamment longue, donc je me suis dit je vais séparer les deux parties, puisque là, côté filage, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Et j'ai notamment mon tout premier projet terminé en filage que je vais vous montrer tout de suite. Wouh, je suis très très contente de ce premier projet fini. J'avais envie de vous faire parfois des petites vidéos spécifiques au filage pour vous montrer du départ de la fibre, comment on fait pour arriver pour partir de la fibre et arriver à un projet terminé, parce que là sur celui-ci je suis partie de, désolée pour le bruit de plastique, mais de ça, voilà, d'une bande de mérino nylon tout blanc à une paire de chaussettes. Donc je trouvais ça sympa de vous expliquer un peu tout le processus. Voilà. Comme je suis une quiche en montage et que je, franchement, ça prend du temps et faire des vlogs, je trouve ça sympa, vous voyez, de faire des vlogs pour vous montrer le processus de teinture, le processus de filage, le processus de tout. Mais honnêtement, ça demande une intendance côté et une organisation côté vidéo. Que je n'ai... Oh, j'espère que je ne vous ai pas montré mon décolleté. Bon, sinon je couperai en montage. Et j'y pense pas, tout simplement. Moi, je suis dans le plaisir de tricoter, de faire... quand j'ai envie de peindre ou de la laine ou de la fibre, bah, ça va être sur l'instant et je vais le faire. Sans forcément penser à sortir ma caméra ou mon appareil photo pour vous montrer un peu ce que je fais. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vous en parle comme ça, je vous ai montré, donc voilà la fibre que j'ai achetée sur le site Alice Création. C'est du mérino nylon, de la fibre soie que vous pouvez filer comme ça en blanc, si vous avez envie de chaussette blanche, pourquoi pas, ou d'un projet tout blanc, soit vous pouvez la teindre avec des grignons chêne ou avec de façon naturelle comme vous le souhaitez. Ça marche aussi bien. Moi, je l'ai fait avec des Greener Shade. Et alors, j'ai pas obtenu la couleur que je voulais. Je vous parle du processus, hein, de comment je suis. J'en suis venue à ces chaussettes-là. À la base, je voulais faire des chaussettes. Une paire. J'étais pas décidée sur le modèle, mais je voulais faire l'un des modèles du livre botanique de Marie-Christine Lévesque. Ça, c'était clair et net. Je voulais un coloris saumon, un peu saumon corail, vous voyez, mais très clair, un peu pastel. Donc, j'ai fait un mélange à 0,2% de teinture. J'ai obtenu quand même une couleur assez franche malgré tout. Enfin, ça dépend les endroits. Hein. J'ai obtenu finalement une sorte de gradient. Puisqu'il me reste quand même pas mal de laine. Hein. Vous voyez, une fois filé, j'ai filé très fin. Là, j'ai obtenu de la light fingering. C'est un peu plus. J'ai obtenu un peu plus de 500 mètres au 100 grammes. Et donc c'est un fil, voilà. J'ai filé en single et puis ensuite j'ai retordu en deux brins, tout simplement parce que ça va faire le focus. Non, là peut-être que vous allez voir le deux brins. Allez, bref, voilà. J'ai obtenu donc comme je vous le disais, de la light fingering. C'est assez régulier, donc ça j'étais quand même contente. Il y a quand même des parties un petit peu plus épaisses.
Mais bon, je file depuis 3 mois, donc je pense que c'est pas si mal que ça. À tricoter, la laine est assez sèche au toucher par rapport à un mérino, on va dire, industriel, de teinturière ou même la fille Colana, c'est plus sec au toucher. Par contre, une fois tricoté, lavé et bloqué, c'est doux. Voilà, c'est un peu moins doux que du mérino nylon de teinturière ou comme je vous disais, le fil Colana ou le coupe knit. Ouais, je dirais plutôt que ça a le même toucher que la soquette de coupe knit. Ouais, c'est ça, c'est le même toucher ouais, au niveau du mérino. Si vous avez eu l'occasion de tester cette laine. Et finalement, vous voyez, en faisant mon retors, j'obtiens quand même une couleur assez unie sur mon cuir, je trouve. Vous voyez, on ne voit pas trop que c'est assez uni. Si je vous la mets là comme ça, je me relève. L'ensemble est quand même assez... uni. C'est ça, c'est le terme. Et, une fois tricoté, j'ai l'impression de tricoter un gradient. Voilà. Donc, je me retrouve avec des chaussettes pareilles, pas pareilles, mais je les adore. Je les trouve trop belles. Je vais vous montrer. Alors, il s'agit du modèle Fleur des Champs de Marie-Christine Lévesque. Voilà la première. Ça donne un effet un peu... J'ai l'impression d'avoir des vagues sur mes chaussettes ou des rayures. Voilà, c'est le côté un peu... Comme je débute en filage, je me laisse complètement surprendre par... Parce que je prends ce que me donne la fibre, en fait. Et la façon dont j'ai filé. Vous voyez, la deuxième chaussette est beaucoup plus foncée que la première. Et j'ai aussi cet effet un peu on dirait un brouillard. C'est pas des... Ouais, ça fait un peu des rayures de différentes tailles ou de différentes tonalités de couleurs. Et je les aime, voilà, beaucoup. Alors là, j'en ai une beaucoup plus claire que l'autre. Là, c'est très très clair. Donc, je me retrouve avec des chaussettes pareil, pas pareil, que j'adore et qui sont douces et très très agréables à porter. Une fois lavées et bloquées, je vous montre de près. Comme ça, vous voyez la définition du point. C'est un peu moins net que de la laine mérino voilà, qui est filée de façon industrielle. Là, j'ai un petit peu merdé sur mon talon. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais j'y ai eu un couac ici. Mais voilà, vous voyez, je vous montre aussi sur plus clair. Ça reste assez... Je vous montre les défauts aussi. Hein. Là, ici, c'est pas une tache, ce sont mes cheveux. J'ai filé des cheveux. Donc après, j'ai voulu tirer dessus, mais il n'y a pas eu moyen de les enlever. Donc c'est pas grave, je sais que j'ai filé mes cheveux avec mon mérino nylon. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu du coup du modèle. Il se commence de la pointe vers la cheville. Donc vous commencez par la pointe. C'est un modèle qui est disponible en français et en anglais. Vous faites le motif de côte hop, sur le dessus du pied, je vous montre, hop, sur le dessus du pied, hop, 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 en jersey en dessous, tac, vous faites un talon renforcé, voilà, puis vous faites le motif de dentelle qui est très très joli, attendez, on le verra peut-être, non, on le voit mieux ici, qui est très 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 joli à faire, et puis ce petit froufrou pareil, très joli et très simple à faire. Et en fait, ce motif-ci sur cette chaussette, c'est le même, exactement le même motif de dentelle
et de petits froufrous que vous avez sur le pull Milady de Marie-Christine Lévesque également. Au niveau des manches, c'est la dentelle des manches et du col. C'est exactement ce motif-là. Donc une fois que vous avez fait les chaussettes, vous pouvez faire la dentelle du pull Milady sans souci. Voilà. Un modèle hyper sympa à tricoter. Moi j'aime bien j'ai pas de soucis avec les modèles qui se commencent par la pointe quand ils se finissent avec sur les côtes là, ou avec de la dentelle, ou avec un petit froufrou, ou alors avec une finition un peu comme les seins dieux tactiques de Lisande Bourdin. Mais par contre, je trouve que clairement, quand c'est une finition en côte toute simple, après au niveau du rabattage, c'est plus. Ça fait un espèce de. C'est pas net en fait au niveau du rabattage, donc j'aime moins. Quand je fais les côtes côté cheville avec. Quand je dois faire des côtes, je préfère partir de la cheville vers la pointe. Et après, si j'ai de la dentelle au niveau de la cheville, ça me pose aucun problème de commencer des orteils vers la cheville, vers les côtes. Voilà pour le modèle, c'est un modèle super à réaliser. Que vous dire des patrons de Marie-Christine Lévesque, si ce n'est qu'ils sont limpides, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très très clair. Voilà. Pour ce coloris, autant vous dire que c'était ma première fibre teinte. C'est loin d'être parfait, mais c'est tellement joli. De toute façon, je ne suis pas une pro de la teinture. Hein. Je sais que j'obtiendrai jamais rien de très net. Hein. Si je veux du parfait, ben, je vais aller chez les teinturières indépendantes. Mais sinon, là c'est vraiment le plaisir de me laisser porter par la découverte de ce que va donner à la fois la fibre une fois qu'elle est teinte. Parce que c'est vraiment très différent à chaque fois. Hein. Vous avez un résultat une fois la fibre teinte, une fois la fibre sèche, c'est encore différent. Une fois que vous l'affilez, votre single, ça vous donne un résultat différent. Une fois que vous faites votre teint, c'est pareil, ça vous donne encore une autre couleur différente. Vous allez de surprise en surprise. Et moi, je me suis laissée porter par ce que m'offrait la fibre et ce que m'offrait mon filage. Et une fois que j'ai eu mon cake de fait, je me suis dit, je vais faire. J'ai choisi le modèle fleur des champs que j'ai tricoté en 2,25 parce que j'ai eu la light fingering, vraiment très. C'est limite du lace, hein, mon truc. Et j'ai vraiment beaucoup. J'aime bien le résultat en fait, même si c'est pas net. Et je vais les porter avec plaisir. Elles vont retourner dans ma boîte de bas. Mes petites chaussettes imparfaites, mais tellement jolies. Et je suis contente de la définition du point. Et comme je vous le disais, elles sont très confortables. Donc ça m'encourage à refaire des petites expériences et à me laisser porter par ce que m'offrira le résultat de ce filage. J'ai utilisé moins de 170 mètres, moins de 180 mètres de laine. Donc là, je dois encore faire une bonne paire de chaussettes. Ou alors insérer cette partie-là, doubler dans un jacquard. Pourquoi pas. À voir ce que j'en ferai. Mais voilà, je suis contente pour la première fois d'être passée de la fibre toute blanche, là, comme je vous ai présenté, à un modèle de chaussettes filées, terminées, d'avoir terminé tout le processus de bout en bout. Et c'est une expérience vraiment très 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 chouette. Là, côté filage, j'ai ralenti le rythme parce que sinon je me retrouvais, même en ne filant qu'une demi-heure tous les jours, avec. Plus de laine à tricoter, j'aurai plus de laine à tricoter que de fibres à filer. Donc à un moment donné, il faut aussi tricoter tout ce que je file. Et je ne veux pas que ça reste longtemps dans mon stash.
Ensuite, eh bien, comme je vous le disais, en août, j'ai filé ce... Donc voilà ce que j'obtiens. C'est une fibre de mérino et soie. 70% mérino et 30% soie. C'est une fibre DHG Shop et c'est la collection Sugar Candies en coloris November. Voilà. Hop. Si vous voulez voir des photos de la fibre, je les avais mises dans mon précédent podcast, le numéro 24, des photos de cette fibre non filée. Non, je vous la montre en vidéo, pardon. Et sur mon compte Instagram également. Donc là j'ai fait pareil, j'ai divisé ma fibre en deux parties. J'ai fait deux singles, j'ai filé deux singles et ensuite j'ai fait un retour d'eau. Voilà, un retour. J'ai obtenu, alors avant je vous montre, c'est un peu moins régulier parce que j'ai essayé quand même de filer plus gros et au final je me retrouve encore avec de la light fingering puisque j'ai 585 mètres pour 95 grammes, soit si je convertis au 100 grammes, ça me fait 615 mètres. Clairement, j'aime filer fin, il n'y a rien à faire. Donc, j'ai 585 mètres. Ça pourra me donner un très très joli châle. Le mérino soie, c'est très agréable, très facile à filer également. Hein. Aucun souci là-dessus. C'est doux. Elle est brillante. Voilà, j'ai hâte de... Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais sûrement un châle. Parce que 585 mètres, c'est pas mal quand même. Pour je peux déjà faire un petit châle. Oh, il y a encore un cheveu là. Un petit châle dans mon... avec cet écheveau. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo simplement dédiée au filage. Et en ce moment, sur mon rouet, j'ai cette fibre-là. Donc là, c'est la moitié de mon ruban. On va chercher le terme. C'est la collection Tempera, toujours de chez DHG Shop. Voilà, les multicouleurs. Hop. Il y a du rose, du jaune, un peu d'orange. Voilà. Une très très jolie tresse. Et là, je vais tout filer en single. Et je vais essayer de faire un retour Navarro. Comme ça me donnera un 3 brins. Et je pourrais filer tranquillement. Je retiendrai peut-être. Je peux filer tranquillement tout fin comme bien. Et j'obtiendrai un 3 brins. Voilà, c'est mon projet filage du mois de septembre. J'ai ma batterie qui clignote, qui crie famine et qui me dit non, arrête, il est temps d'aller me recharger. J'espère que cette petite partie exclusivement dédiée au filage vous aura plu. Si vous êtes fileuse, n'hésitez pas à me dire ce que vous filez actuellement, quelle fibre vous avez sur votre rouet, sur votre fuseau. Si vous avez déjà tricoté certains de vos projets en filet main. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon filage et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.